une chose que j'ai défendue toute ma vie d'enseignant. Tu veux faire de la musique, fais de la musique pour devenir musicien. Et qu'est-ce que ça sera? Tu auras un outil qui s'appelle la trompette. Mais tu ne seras jamais un artiste si tu dis je suis trompettiste, si tu ne connais pas la musique. Et il y a une telle différence. Voilà. Et quand je repense souvent au bonheur que j'ai pu avoir d'entendre jouer des gens à côté de moi, des choses quelquefois toutes simples, qui étaient belles. Voilà, tout simplement. Il y a une recherche de beauté, de l'art, qui existe dans toutes les professions, sans aucun doute. À condition qu'on ne fasse pas en sorte de détruire pour faire de la virtuosité, plus vite, plus haut, plus fer. Ça, c'est là le drame, pour tout. Ouais. Et donc, votre rencontre avec Fauveau, elle se fait comment? Alors, on devait partir deux ou trois en même temps. Et je suis parti seul de Lille. Et le train a mis pas mal d'heures, une vingtaine d'heures environ, pour venir simplement de Lille à Paris, parce qu'il y avait des trains qui devaient passer, qui avaient priorité, qui emmenaient des munitions en Allemagne. Et alors, il fallait attendre qu'ils soient passés pour que le train avance un peu. Et l'heure à laquelle je suis arrivé à Paris, pour moi, j'étais un peu déboussolé là-dedans. Bon, c'était... Quand on allait de Roubaix, donc on en allait jusque Lille, qui est à côté, ben on en parlait pendant 6 mois ou un an. C'était un grand voyage, une grande sortie. Enfin, j'arrive à Paris et puis je me débrouille parce que j'ai eu la chance que quelqu'un connaissait une concierge où je pouvais être logé tout de suite. Donc c'était déjà trouver un logement. Et je vais voir au conservatoire à quoi ça ressemble, parce que j'ignorais totalement. Et Leclerc m'avait dit, tu verras, Maître Fauveau, parce qu'il faut l'appeler Maître, a l'air assez sévère, mais c'est un très grand professeur, il pourra t'apprendre beaucoup. C'est un grand trompettiste. Il est soliste à l'opéra, il m'a expliqué tout ça. Alors, fort de tout ça, je vais voir. Et je vais au conservatoire rue de Madrid, et là, je n'osais même pas rentrer. J'étais me voir encore sur la chaussée, mais pourtant que tu y ailles, mon vieux. Et je rentre, il y avait l'escalier, là, je crois que ça a été transformé. Je monte l'escalier, et un monsieur qui était une ou deux marches devant moi, avec un grand par-dessus beige, qui se retourne et qui me regarde. Alors j'avais sous le bras la trompette qui à l'époque, nous n'avions pas de boîte, mais c'était un sac en velours dans lequel on mettait la trompette. Et s'il y avait la place, on pouvait mettre la sourdine. Ça c'était une chose. Et mon Dieu, tu es trompettiste, tu viens te présenter chez Fauveau? Oui monsieur, comme ça. « Bon, et d'où tu viens ?»« Alors, je viens de Roubaix. »« Ah, tu es élève de Maurice Leclerc ?»« Oh, alors tu vas rentrer. » »« Tous ceux qui viennent de chez Leclerc, ici, ils rentrent, ce sont les meilleurs. Bon, » je continue, j'y vais. « C'est encourageant. » »« Hein ?»« C'est encourageant. » »« Oui, je rentre dans la classe et puis je vois les... Je ne sais combien d'élèves qui se présentaient pour la rentrée. » Ce jour-là, parce qu'il avait fixé rendez-vous, que tout le monde vienne pour écouter tout ce qui se passait. Et puis, tranquille à ma place, puis je finis par discuter un petit peu avec un voisin qui me semble connaître les gens. Et je lui dis, qui est ce monsieur qui est là? Parce que l'homme avec le manteau beige, ça, était sa barriche. On me dit, c'est Sabari.
trompettiste. Ici, il joue partout. C'est très, très, très grand. Et il n'était pas professeur. Hein. Alors, ça a été un chaud au cœur de sentir. Il m'a félicité quand je suis rentré. Ça, c'était une chose. Voilà. Et puis, j'étais avec Fauveau. Fauveau qui était beaucoup plus docteur, on pourrait dire maintenant, Herr Professor, comme disent les Allemands. Plus austère. C'était un maître, c'est vrai, mais refroidissant, c'est ça qui était terrible. Combien de fois j'ai entendu des choses, j'en ai pris moi-même, parce que il m'avait sorti, « Ah, vous avez un style berlingot comme votre professeur. » Je ne sais pas si vous écrirez ça, mais c'était un peu avec d'autres. Un qui venait de Normandie, « Vous jouez et vous avez encore de la paille dans les sabots. » Tout ça, c'est très, très curieux. C'est rare qu'il disait « Bravo, c'est bien. » Et je n'osais pas jouer quand il y avait le jour du cours, parce qu'il y avait la défense passive. Et d'un seul coup, ça sonnait, puis la classe arrêtait, et puis la classe était courte pour pas mal d'élèves qui devaient jouer. Et Fauveau qui roulait ses cigarettes. Et je ne sais plus quelle étude. Il donne une étude à tous, Darban, Fauveau, à mettre au point. Et puis moi je m'attaque à cette étude et je reviens le cours suivant, il ne me fait pas jouer. Le cours d'après, il ne me fait pas jouer. Ah. L'examen arrive, parce que c'était déjà l'examen d'entrée. Je joue, puis j'apprends que j'ai été le meilleur. Et il me sort, Fauveau me dit, vous êtes l'homme aux surprises, vous. Vous jouerez le premier la prochaine fois. Ça se méritait. Je ne sais pas si on compte ça, s'il faut dire tout ça. Ben, c'est la façon d'enseigner de cette personne à cette époque-là. Mais vous disiez aussi souvent que Sabarich, que vous avez fréquenté plus à l'après, était oui. Très différent. C'était au contraire quelqu'un de très positif toujours, c'est ça? Moi, c'est le souvenir que m'a dit mon père aussi, oui. Qui était en même temps que vous. Il m'a dit, avec Fauveau, c'était jamais bien. Voilà, jamais de compliments. Oui. Et Sabarich, c'était le contraire. Contraire, positif. Ouais. Mmh. Tout à fait. Oui, ça, je peux l'affirmer. Tu pourras dire que ton père, ça, moi, je souhaite que tu parles de ton père qui était là, eh bien, qu'il a eu ses mots comme ça, et j'ai considéré que Sabarich était positif avec ses élèves. C'était dommage, parce que moi, j'ai eu une grande admiration pour Fauveau. Parce que quand il prenait l'instrument et qu'il jouait une belle phrase, ben je me souviens, il nous avait expliqué qu'il jouait quand il avait besoin d'avoir une bonne forme, c'était un échauffement comme un autre, il prenait l'Ave Maria de Gounod, pas celui de Schubert, et puis tous les matins, il le jouait, plein son. Voilà. Et souvent, il montait d'un demi-ton. Et il a joué une fois, c'était comme ça, c'était génial. Enfin, c'était génial à l'époque, ça ne pouvait que l'être, parce que c'était d'une grande beauté, c'était du lyrisme, il était soliste à l'opéra, et ça représentait autre chose qu'un professeur, ça j'ai réfléchi après, qu'un professeur qui était dans un orchestre symphonique à la radio à Lille, où on jouait des choses encore assez légères,
bien faite, bien jouée, même s'il y avait une symphonie de Beethoven quelquefois ou de Mozart, mais il n'y avait pas l'échange qui existe entre un plateau d'opéra et un orchestre. Parce que l'orchestre a envie de jouer comme la grande señorita dans Carmen, la plus grande chanteuse qui puisse exister, on a envie de jouer comme elle, on a envie de jouer comme lui. On voudrait être ténor, quand c'est le beau ténor qui chante, c'est ça. C'est l'imitation de ce que l'on entend. À côté, auquel on participe, on est plus qu'à entendre seulement, on est dans tout le jus, dans cette éponge. On est influencé par ça. Influencé. Moi, je suis persuadé qu'on est influencé. Ce qui me restera toute ma vie, le reste de ma vie, c'était les passages dans Le Chevalier à la Rose de Strauss. Et il y a Passerone, qui était professeur de timbales, de percussion, pardon, qui m'avait dit la plus belle interprétation que l'on puisse entendre pour un trompettiste dans un orchestre d'opéra, c'est Le Chevalier à la Rose. Je me suis dit pourquoi il me dit ça. Mais c'est vrai que c'est ce phrasé qu'il y a, les interventions qu'il y a à la trompette, elles sont, il y en a très peu. Mais on est pris, il y a quelque chose qui nous prend au fond, de loin. Il faut avoir la passion. Si on n'a pas la passion, ce n'est pas la peine d'essayer de devenir musicien dans un grand orchestre, qu'il soit opéra ou pas. Il n'y a pas. Il faut aimer la musique, pas aimer seulement son instrument. Si on ne maîtrise pas l'instrument, ce n'est pas la peine. Il faut un outil. Mais quand vous dites cette osmose qu'il peut y avoir entre justement le phrasé du chanteur et qui vous donne envie à vous de rentrer dans cette finesse, dans cette... Et moi, je me rappelle que Vaillant, c'est une des phrases qui m'est restée personnellement pendant les cours. Il disait, si vous avez un solo après le basson, rentrez dans le son du basson. Si vous avez un solo derrière la clarinette, rentrez dans le son de la clarinette et offrez votre son à la flûte si c'est elle qui continue après. Et je me suis toujours dit, tiens, là, on n'est plus, c'est plus un basson, une trompette, une clarinette, c'est un orchestre et c'est un instrument de musique, c'est plus... C'est une aventure collective. Voilà. Et c'est vrai que... Parce qu'à l'époque, on disait, t'as le son ou t'as pas le son. Alors ça m'a toujours... ça m'a toujours fait bondir aussi parce qu'il peut y avoir plein de sortes de sons, de qualités de sons, et justement cette recherche du timbre, elle est vraiment spécifique au musicien plus qu'à l'instrumentiste, de rechercher le timbre qui va correspondre à la formation, à la pièce, à l'époque, et etc. Et en fonction du nombre de musiciens et en fonction de l'acoustique de la salle, tout ça, ça doit donner une imagination qui doit mener à une interprétation justement avec une recherche de timbre et de sonorité. Et que l'on pourra appeler un artiste et non pas un instrumentiste. C'est ça que Fauveau disait finalement.
Oui, mais ça. Oui, il le disait de notre, d'une autre manière. Il n'expliquait pas vraiment. Non.